Eh bien, salut tout le monde, c'est Valou, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 de la plus grosse ferme. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, un tout nouvel achat. Donc on va aller voir ça juste après. Aussi là, on va faucher parce qu'on en pour faire du foin, tout ça. Il y a l'ouvrier qui va moissonner pour comme ça si on avait de l'orge de près, donc comme ça pour faire la paille. Donc et comme vous avez pu le voir, donc c'est une nouvelle botteleuse, donc on va aller botteler tout ça avec ça. On se retrouve juste après l'intro. Donc on se trouve juste après l'intro. Donc on est parti. L'ouvrier là-bas, j'ai mis à moissonner. Nous on est parti, on va faucher avec le 8S et la petite faucheuse classe. Donc j'avais déjà fait un tour. Donc là on est parti, on va faire ça. Hop. Donc là, on fait ça, comme ça on va faner, on va en donner, puis après on n'aura plus faire que. On n'a plus qu'à faire le petit. Avec le nouvel petit ensemble, plutôt gros. Là. On va essayer tout ça quoi. Hop. Merde, il en reste un bout là. Hop. Donc surtout si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Voilà. Donc là on fauche ça. Je sais pas si je vais faucher à côté du bâtiment aux vaches. Je vous avoue, je sais pas. Donc là comme vous avez vu, on est passé en bas le carré. Donc en fait j'ai pris ça comme ça, c'est plus facile parce que les patrons faut toujours s'arrêter à chaque fois et puis on va commencer à en faire pas mal quoi. Donc là on achète ça. Prochain achat après, je pense que ça va être la 3 essieux. J'ai envie de s'acheter une 3 essieux pour tout simplement mettre ce gros tracteur. Et puis comme ça, voilà. Sinon, en achat après, ce qu'on fera, je trouve qu'on essaiera de mettre des abeilles ou on essaiera de mettre de nouveaux animaux quoi. On peut voir les moutons, les cochons quoi. On va voir tout ça, qu'est-ce qui t'arrive. Ah merde, il a bien nourri à ce moment-là. On va essayer tout ça, puis on va voir. Là déjà on va rembourser ce prêt là, le prêt qu'on va faire là pour nos tracteurs, là, la botteleuse, la presse. Et après on va essayer d'acheter la benne. Et puis on va voir quoi, parce qu'après là déjà les. Il faudrait qu'on achète aussi un semoir un peu plus gros. Ça s'y met quand t'es dans le champ numéro 28 et 29 là-bas là. T'en passe du temps. Donc voilà. Ça c'était plus pour ça. Hop. Crac. Kélos. Hop. Bah nickel. On va mettre les autres quand même sur le salut. Hop, c'est nickel. Donc ça fait un petit temps d'un show. Comme ça. Merde, c'est plein là-bas. Bon, il nous a pas dit qu'il était plein. Est-ce qu'on en fauche là? On peut en faucher une petite partie là. On va faucher une petite partie là. Je vais juste vider à la batteuse. Du coup, le champ là, il fait quand même une sacrée longueur. Hein. Il va plus avoir de fioul aussi là-dedans. Le bordel, est-ce qu'il va faire tout le champ? Oui, il va faire tout le champ, je pense, j'espère. Est-ce qu'on prend le risque? On va déjà faire une autre amie, puis on va voir à combien ça sera arrivé. Si ça a trop descendu, on ira en remettre, sinon. Non. En tant que vide, je peux déjà mettre en route le bordel. Hop. On avance au max du max.
Hop, nickel. Fini le topipo. Crac. On va le remettre là-bas. Là, en vrai, je pense qu'on en a encore pour un petit bout de temps. Nous, de toute façon, là, il faut qu'on fan. Bon, je mets un ouvrier, c'est plus facile. Comme ça, on va mettre, on va la faneuse. Là, on va les faner. Et après, il n'y aura plus qu'à en donner, quoi. Donc là, la petite botlesqueune, j'ai déjà vendu. Et avec, j'ai vendu un tracteur. Donc j'ai vendu le petit John Deere qu'on avait, là. Parce qu'en fait, on avait du genre, on avait trop de tracteurs, j'ai l'impression. Et puis, il servait pas beaucoup déjà. Parce que d'une, il avait l'évité, c'est ça, l'évité, c'était un peu chiant. À passer et tout, tu sais. Le temps, des fois, tu pourrais perdre du temps. Et puis, puis comme on va racheter un nouveau tracteur pour la presse, là, pour la tonne et tout, on avait un tracteur de trop, sinon. Déjà là, ça fait beaucoup de tracts. Mais bon, là, ça va le faire, parce que ça commence à être. De l'employeur, voilà, hop. Donc là, on avance bien, nickel. Là, donc là, on arrive, comme vous voyez, on va arriver début mai. Là, là, bah, la vidéo est sortie entre le 30 avril. Donc là, sur cette série là, j'aimerais refaire des vidéos là encore mai, juin. Début juillet, et après juillet, comme je vous l'ai dit, j'arrête, je fais que sur la ferme, quoi. Puis il reste 2 mois, il nous reste une dizaine d'épisodes, quoi, sur la plus grosse ferme, et le temps de faire une pause cet été, quoi. Moi, une petite pause de fermier et tout, ça peut pas faire de mal. Et donc, le but, là, dans les 10 épisodes, c'est vraiment de faire, mettre, par exemple, de nouveaux animaux, se mettre bien. Vraiment, et puis être pas mal en argent et tout. Avoir tes genre des bons matériels et tout pour quand tu reviendras, ça sera bien. Genre avoir un nouveau semoir, avoir pas mal de trucs quoi, comme ça. Là, déjà les vaches, pas mal, les poules aussi. Acheter un nouveau champ, pire, faire plein de petits trucs comme ça quoi. Puis pire, avoir les cochons quoi, je pense. C'est vrai, j'aimerais bien placer les cochons après. Il y en a où il a fauché. L'autre il veut pas lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il a arrêté là. Bon ok. Bon bah il arrêtera là. L'autre il est bloqué là-bas, je parie aussi. Oh, ils ont tous raté. Oh les fignons c'est tout. Les ouvriers ils sont là. Ah non. Placer ouais parce que les cochons ça demande quand même beaucoup de. Beaucoup de rations. Ce qu'il faudrait faire au pire, c'est placer les abeilles pour le prochain épisode. Après, il y a chevaux, il faut juste courir un peu. On pourrait placer les chevaux. On peut placer les moutons, c'est juste à mettre du foin. Il faut faire beaucoup de foin et puis c'est bon quoi. Le foin, c'est vite fait hein, parce que. Comme vous pouvez le voir, le foin. On fait ça vite fait. Hein. De toute façon, plus tard, le champ là, il sera en foin. Le champ là-bas aussi. Ce sera les champs loin qui seront en céréales. On fera beaucoup beaucoup de foin. Après le but aussi moi ce sera de serait bien de revenir en multijoueur. Après c'est chaud de faire du multi parce que comment pour les tournages tout ça entre les cours et tout c'est pas facile du tout, je joue pas bien. Si à un moment j'avais un projet de live mais ce serait bien un jour que j'y arrive mais si j'ai une mauvaise connexion mais il faudrait que je règle ça, j'aimerais bien essayer de live pour la rentrée prochaine. Donc scolaire, donc commencer là, genre on passe les vacances et quand je reprends Fermine après, c'est possible que je règle tout ça, prendre une connexion et comme ça je commence à live et comme ça on pourra avancer en live, vous verrez un peu et tout et comme ça, au pire je ferai des petites vidéos et je ferai des lives quoi.
Donc les gars, on se trouve juste ici. Donc j'ai un de tout ton déné là. L'ouvrier va finir de moissonner. Donc nous on est parti pour le faire le nouvel achat en fait. J'ai juste rangé ça et puis je crois que bah c'est parti. Hop, on va mettre ça là. 80% déjà. Ah. Ah oui, ça va vite. On va le faire. Ah oui, parce que après c'est vraiment petit le truc. Il reste 10% de place. On va faire déjà un petit prêt, un très gros prêt, voilà. Bon, normalement je disais des fois plus de 200 000, mais là vraiment j'ai pas eu le temps de bosser dessus sur la firme alors cette semaine. Alors voilà, donc le prêt va faire mal, mais bon c'est pas grave, c'est un nouveau matériel. On fait ça quoi. On remet tout et puis on va voir ce qu'on rembourse à la fin. Et on peut faire un plus grand prêt. Ah, c'est une nouvelle mise à jour. C'est-tu lu, wesh. Ok. On va mettre 500 000. Ah non, on peut pas aller à plus de 500 000. Oh, c'est trop bien, on peut aller à plus de 500 000. Bon, ça doit faire mal aux intérêts du prêt. Mais bon, c'est pas grave. Alors, en tracteur. C'est dans le grand tracteur. C'est le premier grand tracteur que j'achète. Donc c'est un tracteur... En fait j'hésite du coup parce qu'à la base je devais prendre un tracteur, mais comme maintenant on peut faire un plus grand prêt, j'hésite à prendre direct le direct. Bon, je vais prendre celui que je voulais prendre des débuts, le 1000 vario, hein, comme ça il sera arrivé. Je voulais prendre le 1050 pour mettre sur la grosse tonne et tout, donc on va le prendre, hein, voilà, hop. Acheter 371, ça ne fait pas mal du tout. Non, ça va. On va acheter une grosse masse Fendt. Non, voilà, je trouve que ça va, c'est pas trop cher. Hein. Je rigole. Donc, on achète ça, comme ça, c'est fait quoi. Je rajoute 10 000. D'accord, alors c'est parti, on achète la presse quoi. Donc, c'est la presse Krone là, j'ai envie de prendre ça là. Je sais pas si c'est cool ça en fait. On va prendre comme ça, de toute façon on peut pas prendre plus. Donc voilà, nous sommes arrivés, nouvel matériel. Oh c'est plein. Oh je sais ce que je vais faire, je vais vider dans les poules. Je vais voir si je peux vider de là. Oh nickel. Je crois que le truc était vide. On fait semblant de, hein, voilà. On dit que ce n'est pas arrivé. Hop. Normalement, il va rester 2000 quoi, du coup. C'est bien ça. Nickel, comme ça. Lui, il finit ça. On voit dans le nouveau tracteur pour tirer la tenue en plus. Donc voilà l'engin. Bon bah voilà quoi. Très beau tracteur. Hein. Bah, ça c'est sûr. Hein. Mais au moins ça pourra bien tirer la tenue, parce que la tenue il avait du mal, vous savez, à tourner et tout surtout. Là, on est sûr de pouvoir faire bien la tenue. Allez-y. Allez hop, on est parti faire la presse. Pour le coup ça fait un peu gros. Non c'est nickel. Donc voici le nouvel engin. Je voulais prendre le Fendt 1050, je voulais l'avoir de toute façon. Donc autant le prendre tout de suite, comme ça on va le faire des heures, beaucoup d'heures. On va regarder pour longtemps. La presse, il en faut une, puisque la presse ça a commencé à presser. Pour faire les bottes, donc voilà. Encore un très gros prêt, mais là je vais vraiment le rembourser. Et la prochaine fois vraiment il faudra faire je vais essayer de prendre mais beaucoup d'avance sur l'argent.
Parce que là, en vrai, j'ai pas trop le temps, mais c'est le temps de le rembourser. Bah, en fait, le truc il est déjà fini quoi. Non. Je vais faire la vidéo pour la semaine d'après. Et au pire, la semaine prochaine, ce qu'on fait, c'est pas forcément beaucoup d'achats, c'est les abeilles. Et comme ça, ça va pas faire gros d'achats. On est en 220. Ça va pas faire gros d'achat, puis voilà, c'est pas mal. Allez hop, c'est parti. On peut se mettre en vue intérieure, nickel. Juste voir les premières bottes pour voir ce que ça fait. Nickel. Hop. Mais du coup il n'y a pas de truc de vendu. S'il faudrait que j'aille vendre du lait, genre long un truc, c'est pareil ça. Non, pour vendre du lait il faudrait que j'achète la barrique là. Non, c'est pareil ça. Donc, au pire, ce que je vais faire là, on fait quelques trucs en... j'en fais une ou deux avec vous et après je réfléchirai. Je vais réfléchir ce que je fais, si je fais en off ou tout ça, le maïs. Français de maïs, vous connaissez un peu, je vais en pouvoir faire plus tard. Ce qu'on peut faire pour la prochaine vidéo, il faudra acheter. J'achèterai la transition en off pour faire le maïs. Et puis voilà, comme ça, les deux champs là, je refais ça en soja au pire. Non, j'ai le soja, il est vendu. Je vais voir comment je m'organise. Et puis voilà. C'est les plus petits rondins, les plus petits rondins, la paille, ça se voit. Hop. Nickel. Au pire, où est-ce que je ferais? Je ferais du... Je vais voir si je fais ça en off ou quoi. Parce qu'il me faut que... Au pire, on va faire un petit prêt, puis on va placer les abeilles. Comme ça, on va faire ça là. Et comme ça... on place les abeilles, et puis... Et puis voilà. On place les abeilles, on fait ça. Alors, on va s'arrêter là. On va placer... On refait un petit prêt, comme ça, on place les trucs des abeilles. Et comme ça on place les abeilles. Et comme ça, la prochaine fois, et ben ce sera pour le maïs. On verra ce que je fais. Comme ça, les abeilles seront placées. La prochaine fois, j'ai pas ça à m'occuper. De son la 3 dessus. Pierre, je peux l'acheter en off. Ça c'est pas grave. J'ai juste ça pour faire mes. Comme ça, il me restera plus que les moutons, cochons, chaud. Si je peux faire ça en off comme ça, voilà quoi. On va mettre celui-là, j'ai envie de mettre celui-là en fait. Donc on va mettre ça là. Hein. Par ici là. Là c'est pas droit. Ici là. Hop, attendez. Je vais vous en mettre combien? Oh d'accord. Ça en fait du bruit, wesh. C'est lui à côté là. J'ai chevauché un autre.
Il faut placer de ça. On est d'accord. Un seul objet autorisé par ferme, ok. Donc on va aller voir nos petites abeilles. Donc là par exemple, il doit être labouré, il doit être plombé. Donc là par exemple, tous ces trucs là, il faut que je le fasse. Si ça doit être labouré, je vais le labourer. Et on va faire ça, je vais mettre le casse de labourer et puis on va labourer quoi. J'ai les œufs à les vendre aussi, bon c'est le bordel. Faut que je refasse tout. Et là du coup, je vais avoir les abeilles, je vais voir comment ça produit. Je vois, je sais pas si. Non, il faut. Ouais, on n'a rien à mettre. Portée 150 mètres. Ah oui. Tiens, du mail sur le site de la palette. Ce sera ici le site de la palette. Diruche. Ok. Portée 100 mètres, portée 150 mètres. Bon, ça va, c'est tout près. Donc, on passera un mois. Et comme ça, au pire, vous voulez qu'on passe un mois pour voir ce que ça donne. On passe juste un mois et puis on va voir tout ce que ça donne, tout ça. Toutes leurs conneries, là. On va voir ce que ça donne. Et comme ça, voilà, voilà. Et comme ça, on s'y tra là-dessus. Ça fera une bonne grosse vidéo. Mais bon, c'est pour une fois, c'est reparti, quoi. Pour on fera ça. Oui, oui. Ah oui, il n'y a plus de place à... Ah oui, il y a un truc de miel. Okay. Oh, ça, ça m'énerve. Ça peut être là. Nickel. Le miel, ça se vend bien ou pas? On va voir si c'est des trucs d'occasion de bien. Ah oui, pour labourer. Bon, les gars... Et on vend la note, hein. On a acheté de la charrue. Ok, faut qu'on aille chercher ça vite fait. Aussi. Ok, on a une palette. Je voulais voir le miel, combien ça se vend. Combien ça se vend, pardon. Miel. Est-ce que vous voyez miel? Miel, 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 miel. Oh là là. 2681. Et le plus haut, c'est en février. 3000. Donc ça veut dire 3000. Et ça, c'est trop bien, ça. L'objet trop lourd. 640 kg, 1400 litres. Oh, c'est nickel, ça. Il est plein, là, ou pas, vous pensez? Oh, il doit être plein. Hein. Ouais, parce que sinon, ça doit être petit cajot. Bon, nickel. Merci, les abeilles. Ça fait pas mal de petits trucs. On va prendre vite fait le case. Et puis, on va aller chercher une nouvelle charrue. Je vais labourer avec le case, je pense. Non, 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 je vais labourer avec le... Parce que je vais se mettre avec lui. On va chercher avec le... Genre avec lui. On la brouille avec lui, comme ça ça va le faire un peu dur, ça va le faire tourner un peu. En tout cas, il a pas mal tourné. La nouvelle petite charrue, on va juste la chercher comme ça. Voilà. On va mettre une masse là quand même. Donc ce qu'on fait, on va... on se retrouve au magasin. Donc voilà, on se trouve juste ici. Donc par exemple, là, c'est une matériel d'occasion. On avait dit, j'avais dit 2-3 matériels d'occasion max pour pas que ce soit trop dur. Pas trop facile, je veux dire, pardon. Et donc là, bah, la charrue, je pense que c'est un bon truc, c'est un truc qu'on n'utilise pas, c'est pas un truc que j'utilise tout le temps, donc c'est juste que quand ça doit être labouré, donc c'est nickel. Parce que là, au moins, c'est une... c'est 9 corps, donc ça va plus avancer. Et comme ça, on est pas mal avec ça. Donc, on fera ça, donc... Surtout les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, c'était Valou, allez, ciao. Okay.